Le prince Jacques ultra looké en Gucci avec son papa Albert de Monaco et sa maman Charlene pour fêter Sainte de Vote à Monaco. C'était jour de fête à Monaco ce samedi 26 janvier / Le prince Albert y et son épouse, la princesse Charlène de Monaco ont ainsi procédé en compagnie des monégasques à la cérémonie de Sainte des Votes. Célébrée chaque année, celle-ci est la sainte patronne de la principauté. Au cours des célébrations, le couple princier met le feu à une barque de pêcheurs, qui symbolise celui dans lequel on a retrouvé cette sainte martyrisée en Corse au début du IVe siècle, avant de s'échouer sur le rivage de Monaco. À l'occasion de cet embrasement traditionnel, le prince Albert y et la princesse Charlène étaient accompagnés de leur fils, le prince Jacques. Le petit garçon de 4 ans est apparu très élégant au cours de la cérémonie. Et pour cause, le frère jumeau de la princesse Gabriella avait revêtu un superbe manteau en laine couleur camel de la marque Gucci. Celui-ci était agrémenté de bandes de couleur verte et rouge de chaque côté au niveau des poches. Ce manteau disponible sur le site de la marque peut être à vous pour la somme faramineuse de 720 euros. Si le prince Jacques a une nouvelle fois attendri le public avec sa jolie tête blonde et ses grands yeux bleus, en revanche, sa sœur jumelle Gabriella a brillé par son absence. Aucune information n'a, pour le moment, filtré, quant aux raisons de cette absence. L'an dernier, le frère et la sœur s'étaient montrés très complices au cours des célébrations.